Et le masculin sacré alors? Et oui, on parle beaucoup de féminin sacré, mais les hommes aussi changent. Je suis donc très heureuse de pouvoir vous proposer cette thématique en présence de Patrick Ferrer. Bienvenue sur Calcédoine. Bonjour Patrick. Bonjour, bonjour, merci de cette invitation, j'en suis ravi. Gratitude, merci beaucoup. Mais c'est moi, Patrick, qui vous remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation, de l'avoir acceptée aussi chaleureusement, aussi spontanément. Et merci pour tout ce que vous faites depuis de nombreuses années déjà, hein, pour le masculin, pour nos masculins, notre masculin à nous aussi. Et pour cette sensibilité que vous osez témoigner, et encore plus avec ce livre qui vient tout juste de naître, J'ose être l'homme que je suis. Voilà, ici tout est dit, hein, tout est dit pour cette histoire d'hommes, de frères, pour lesquels vous œuvrez. Mais j'imagine, et on en reparlera plus largement au fil de cet entretien. J'imagine que c'est l'extension d'un vécu qui vous mène ici aujourd'hui, qui vous a mené dans cette exploration du masculin sacré. Oui. De toute façon, on parle que de soi, ou je peux que parler de moi, quoi qu'il en soit. Et comme j'aime à dire aussi, j'ai dû l'apprendre il y a quelques milliers d'années, et je pense que je suis porteur de cet espace-là, en tout cas de cette vision-là, et aussi m'a été demandé de porter cette dimension-là, de la diffuser. Notamment par mon stage, homme, tu seras un homme, mon frère. Et je pense que c'est. Je regarde par là parce que j'ai mon livre. Par ce livre-là aussi, c'est peut-être comme ça que en tout cas, que moi, j'ai envie de transmettre, d'œuvrer sur Terre à ce niveau-là. Oui, parce qu'on sent vraiment que les hommes, le masculin est en train de se redessiner, de se redéfinir. Il y a une vraie quête. Et il n'y a pas d'exemple, de guide, de référence, en tout cas très très peu. Et j'ai l'impression que ça demande vraiment à s'expanser, qu'il y a vraiment une quête profonde existante qui demande à émerger ici. Oui, moi je dirais même existentiel. Nous les hommes, c'est clair, juste pour donner une référence pour les femmes, les doulas et les cercles de femmes, les tentes rouges, ou de tout temps, qu'on remonte au plus loin, les femmes ont facilement se regroupent entre elles pour échanger. Nous, les hommes, les temps sont venus vraiment, je dirais, je ferai une reliance à Guy Corneau, cet ami parti en 92, qui a créé le fameux réseau Homme Québec, où il a, en fait, il a mis en place, il a initié ces groupes de parole. Et après, ça a diffusé, donc ça c'était au Canada, et ensuite ça a diffusé en Europe. Et pour moi, c'est primordial que les hommes se retrouvent entre eux. Et je dirais, juste pour parler avec conscience que le mot juste, ce que ça peut représenter de profond, de vraiment profond, ne serait-ce que de se retrouver dans un cercle et de se regarder et d'oser ressentir ce que je ressens. Et puis de le mettre en mots. Waouh! Les hommes ont un besoin vital de se retrouver. Ne serait-ce par exemple pour un cercle d'hommes, mais même entre hommes, entre copains, entre amis, qui est cette facilité d'accès au partage intime. Deux femmes amies, elles vont facilement échanger sur leur intimité personnelle, de couple ou amicale.
Nous, les hommes, nous n'avons pas l'habitude d'échanger d'une façon intime comme ça, avec même avec le meilleur ami ou avec l'ami. Et ça, c'est important de l'initier et que ça devienne normal, que ça devienne vraiment, oui, commun à toute femme et à tout homme, ce partage-là. Cette profondeur et cette dimension de partage. Et justement, c'est ce que vous vivez, c'est ce que vous avez créé à travers les cercles d'hommes, hein. Vous êtes pionnier en la matière. Justement, comment ça se manifeste? Comment l'homme qui se tait depuis si longtemps dans son émotion, dans cette sensibilité, dans cette vulnérabilité, comment se manifeste le premier pas? Qu'est-ce que ça éveille? Comment ça émerge pour ces hommes? Qui ne demande que ça, en fait, que ça sorte, mais qui est si douloureux parfois. Oui, parfois c'est douloureux. Parfois, en tout cas, je dirais ce qui est plus douloureux, c'est le. Est-ce que je peux. C'est de dire le premier mot. En fait, beaucoup d'hommes, que ce soit dans les cercles ou dans mon stage homme, dès le premier soir ou le lendemain matin du premier soir du stage, il y a beaucoup d'hommes qui me disent. En fait, Patrick, avec toi, je suis en sécurité du fait du cadre que tu as posé. Et en fait, il capte. Alors, il y en a certains qui disent, ah, je crois que je comprends maintenant ce que c'est la fraternité. Dans le sens où ils arrivent plus ou moins à mettre en. Et c'est cette fameuse intimité et où en fait où ils se sentent en sécurité et en fait cette sécurité vient de ce cœur qui s'ouvre de par ce partage. Il y en a beaucoup et moi je dirais mon premier tout premier cercle d'hommes il y a 20 ans maintenant en tant que participant me rendre compte que il y en a un qui partage sur sa vie, un autre, un autre, un autre, et en fait se rendre compte que je suis pas le vilain petit canard ou j'ai pas moins ou plus souffert que l'un ou que l'autre à ce niveau-là de se rendre compte que ça fait que du bien de partager, que du bien de poser les choses, de les extérioriser. Et de les partager. Le plus important, nous les hommes, on n'a pas été habitués à écouter nos sensations. C'est vrai que là, en ce moment, j'affine mes réflexions et ma conscience sur ce que je sens. Il y a l'émotion, et je sais, ce que je sens, c'est mon émotion. Et donc, ce que je sens, c'est avant l'émotion telle qu'on la nomme. Et en fait, c'est de ça dont nous avons besoin, d'autant plus là, avec ce qui se passe actuellement. Nous avons besoin de cet échange-là avec l'autre, quel que soit l'autre. Ça peut être tout à fait avec mon voisin quand je sors de chez moi, juste d'échanger, d'avoir un mot avec la sensation que je ressens. Pour moi, c'est très, très important de cette écoute et cette conscience-là, de la mettre en place. Et alors justement, Patrick, il est question là avec Josette, l'homme que je suis, de décrypter un peu ce concept du masculin sacré. Il n'est pas question de mettre une étiquette, mais vraiment de mettre un éclairage sur cette voie, sur ce cheminement de découverte de soi. Oui. Et concrètement, quelle serait, voilà, si on veut vulgariser un peu cette image du masculin sacré pour qu'elle intègre notre esprit. Comment un homme qui aurait intégré ce masculin sacré, comment se traduit-il?
comment dans son comportement, dans son quotidien, dans ses échanges amicaux, familiaux, relationnels, comment ça se traduit pour qu'on puisse le sentir? Oui, j'aime à dire quelque chose de très concret. Je sors de chez moi et je dois, admettons, je marche 200 mètres pour aller à mon arrêt de bus. Est-ce que je suis capable, à partir du moment où je suis sorti de chez moi jusqu'à l'arrêt du bus, d'être conscient de toutes les pensées que j'ai eues? Moi, je sais que je fais régulièrement cet exercice, ou en tout cas, j'utilise cet outil pour moi. Juste, j'allais dire, c'est très concret ça. Je sors de chez moi et je vais au travail ou je vais faire une course. Et comment je suis présent à moi-même? Et être présent moi-même, c'est être conscient de moi. Donc, c'est comment je suis dans mon corps, comment je marche. Est-ce que je vais regarder le ciel? Est-ce que je vais regarder les arbres dans ma rue? Ou s'il n'y a pas d'arbres, ben le ciel. C'est comme ça que je vais appliquer au quotidien cette notion du sacré. Le sacré dans, j'allais dire, dans le banal du quotidien, le sacré. Certes, il peut y avoir, c'est important qu'il y ait des rituels avec une dimension sacrée, avec tout un protocole au niveau de rituels pour célébrer. Et dans le quotidien, en fait, c'est ramener dans son quotidien, au banal. Je suis à la maison, je vais me faire un café, comment je vais prendre soin de mon intérieur, de ma maison? Est-ce que c'est propre? Est-ce que au niveau du ménage, au niveau de est-ce que je laisse traîner les choses ou pas? Ça, c'est comment moi je suis en adéquation entre ce que je veux porter, ce que je veux être, et de toute façon, l'extérieur n'est que le reflet de moi-même, quoi qu'il en soit. Donc, à partir de là, c'est comme ça que je vais, en fait, inscrire une présence et une conscience dans mon quotidien. Alors, d'autant plus si je vis en couple, ou d'autant plus si je vis en famille avec des enfants, wow, là, l'homme dans son sacré va s'inscrire dans une dimension encore plus responsable, je dirais, parce qu'il y a transmission avec les enfants, dans le couple avec les enfants, dans la famille. Ça demande une conscience et une présence encore plus, j'allais dire, affinée. Parce Finalement. que là, à ce moment-là, je suis sollicité beaucoup plus que quand je vis seul. C'est sûr. En tout cas, même si, par exemple, moi, en ce moment, je vis seul, mais cependant, j'allais dire, j'ai une réflexion qui est toujours active pour affiner ce qui me passionne. C'est à la fois la connaissance intérieure et aussi le rapport à l'autre et aussi comment aider l'autre ou accompagner l'autre. De ce fait, pour moi, j'allais dire, ce qui m'intéresse, c'est quand je sors dans la rue ou quand je vais acheter mon pain ou quoi que ce soit, c'est aussi être conscient de comment je vais interagir avec. C'est vraiment une qualité de présence consciente Oui. et un profond respect pour ça. C'est-à-dire que c'est un respect intime avec soi, Oui.
que cette présence consciente, elle s'étende, elle s'expande jusqu'à l'extérieur, jusqu'aux Oui. objets qui sont là. Oui. Oui, Ouais. oui. Ça, c'est, pour moi, c'est, en tout cas, c'est comme ça que, c'est sûr, je suis issu de ma famille, de mon système familial, quel que soit le système familial dans lequel j'ai vécu. Hein, et malheureusement, il y en a qui viennent de familles, de systèmes familiaux très durs par rapport à d'autres. Mais quoi qu'il en soit, j'allais dire, on est issu de ça avec toutes les injonctions, les contraintes. Et ce qui va faire que un homme qui veut s'engager ou qui sent en lui que ça pousse, qui a quelque chose qui est plus profond et qu'il a envie d'écouter cette voix intérieure, je dirais, eh bien, c'est important de commencer par le banal chez soi, par exemple, ou le banal je vais marcher dans la rue, je vais faire 100 mètres dans la rue et je vais être conscient de mes pensées. C'est en fait en s'instituant des petits moments comme ça au quotidien qui va faire que dans le temps, eh bien, il y a quelque chose qui va s'installer et donc de ce fait, il va y avoir une présence, une conscience qui va être plus large, plus vaste. C'est sûr qu'il y a besoin aussi de temps pour installer ça. Je pense que la génération de maintenant, les enfants qui naissent maintenant ou qui sont nés dans les années 2010, je pense que il y a quelque chose de plus, ils sont beaucoup plus en contact avec qui ils sont. Donc c'est plus simple c'est plus simple. Je pense que c'est plus ouvert pour qu'ils puissent se mettre en route par rapport à nous. Je souris, Patrick, parce que justement, j'avais une question à poser. Je suis maman d'un petit garçon et effectivement, je me dis qu'avec cette conscience qui émerge, qui est perceptible, je me dis, en tant que maman, on a aussi un accompagnement juste à trouver ici. Pour que ce petit homme devienne ce qu'il a envie d'être, sans être trop impacté et trop imprégné de ce qui n'est pas lui. Et du coup, je me demandais, par rapport à notre rôle de maman, est-ce qu'il y aurait un conseil sur ce qu'on pourrait livrer pour nous, les mamans que nous sommes, et les papas aussi, parce que du coup, on accompagne le... Ah oui, à ce niveau-là, même si moi je suis pas, j'ai pas d'enfant, mais cependant, j'ai tout de même 9 frères et sœurs, donc je sais ce que c'est de d'élever et de tenir un bébé et d'élever un enfant. J'ai 18 ans de différence avec le dernier, c'est un frère, donc. Donc, je sais ce que c'est, moi, de m'occuper d'un enfant, d'un bébé. Autant les mamans que les papas, quoi qu'il en soit, plus je vais instiller ce niveau de conscience entre moi et moi, et comment moi, je suis en action ou en réaction ou en lien avec la vie. Mais, automatiquement, mon niveau de réflexion et de conscience va aussi rejaillir sur mon enfant, mon fils, ma fille. Et plus je vais être en contact avec ce que je ressens, ce que je capte, ou cette fameuse intuition, et bien, je vais apporter à cet enfant ce dont il a besoin à ce moment-là, qui va être en adéquation avec l'être souverain qui l'est, lui ou elle, suivant l'enfant.
il avait été transmis. Les gamins, les enfants d'aujourd'hui, ils en savent plus que nous. Notre rôle de parents pour ces enfants-là, c'est de leur apprendre comment ça fonctionne sur Terre. Tout le reste, il y a des choses qu'ils en savent plus que nous. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui s'en rendent compte, de toute façon. Et l'important, c'est comment je vais transmettre et comment je vais l'accompagner pour que cet enfant soit lui et non pas mes désirs que je projette sur lui. Wow. C'est simple à dire, hein? C'est très simple à dire, mais à être et le vivre, c'est d'autres défis, hein, ça c'est clair. Hein. Mais cependant, des gens comme vous et moi en chemin, eh bien, c'est de notre responsabilité d'être à ce niveau-là face à eux. Ça c'est clair. Et justement, pour dans la continuité de ce masculin sacré, donc des hommes d'aujourd'hui, ceux qui sont hommes aujourd'hui, est-ce que je me trompe si je dis que en allant vers ce masculin sacré, c'est intégrer sa part de féminité, cette sensibilité, cette vulnérabilité, cette douceur, l'exprimer. Et dans l'esprit de beaucoup d'hommes, il me semble... il peut survenir à un moment donné, mais est-ce que je suis faible? Oui, oui. Alors moi, je dirais, pour l'homme, sa polarité féminine, donc son féminin intérieur, je dirais pour l'homme, hein, c'est suffisamment dans l'inconscient collectif quand on parle de féminité sensible. Mais en fait, moi, je sais que parfois, que ce soit dans mon stage et dans les cercles d'hommes, j'amène cette dimension de la sensorialité et de la sensibilité chez les hommes, où, en fait, je dirais, moi, dans mes mots, je dirais, ils fondent. À ce moment-là, il y a quelque chose d'extrêmement doux entre hommes qui je vais le dire, l'énergie dans la pièce à ce moment-là, elle est palpable. C'est extrêmement doux et à la fois pétillant et doux. Après, quand il y a un échange, c'est ensuite que je leur mets un mot pour leur décrire. Voilà, en fait, ça, c'est le féminin, c'est la polarité féminine pour l'homme qui s'exprime. Et alors là, c'est sûr, bon, moi, j'arrive à jongler avec ces dimensions-là, ces termes-là, mais parfois, pour certains hommes, d'entendre, de le décoder en termes de masculin et féminin intérieur ou physique, ça amène une compréhension beaucoup plus large, plus vaste. Mais c'est sûr, et c'est sûr que au début, je parlais de cette intimité, de cet échange intime avec l'autre, entre hommes. Et en fait, cet échange, elle est basée sur cette sensibilité, sur cette sensorialité. La sensation est basée sur la sensorialité. Et plus je vais être en contact avec ce que je sens, et plus je vais mettre en mots ce dont je sens, du coup, de ce fait, ça se met en l'échange est basé là-dessus. Les hommes se rendent compte que quand il va partager son intime, à avoir une larme qui va couler sur sa joue, à ce moment-là, j'allais dire, que ce soit les hommes ou les femmes qui partagent à ce niveau-là d'intimité et d'authenticité,
eh bien, j'allais dire, on le comprend, ça, on est touché intérieurement. Et j'allais dire, à ce moment-là, ça s'inscrit dans, normalement, ce partage. Il y a reconnaissance de ce lien que j'ai avec l'autre, de cette richesse commune. Et moi, je parlerais plus de vulnérabilité pour les hommes. On a l'habitude, j'allais dire, pour les femmes, de ce terme-là, j'allais dire, il est plus simple à comprendre si on parle de la femme en termes de vulnérabilité. L'homme, dans mon livre, je dis souvent puissamment vulnérable et vulnérablement puissant. Mais quoi qu'il en soit, l'homme, au cœur de sa puissance, il est vulnérable. Et au cœur de sa vulnérabilité, il est puissant. C'est là, c'est à cet endroit-là qui va faire que il va être aligné, centré dans son cœur et en respect avec dans le monde où il est, à sa place. Parce qu'il va être à l'écoute en même temps de son action, il va être à l'écoute de ce qu'il ressent et il va être conscient des conséquences de ses actions. Même si, en fait, ça se passe, j'allais dire, c'est long à le dire, mais... c'est en simultané. C'est en simultané, on le fait tous les jours, de toute façon, on le fait dans notre quotidien. Et c'est vrai qu'il y a à défaire pour les hommes. C'est pas être faible. Vulnérable, c'est pas être faible. Vulnérable, c'est être en contact avec son cœur et prendre soin de soi. Merci. Ça, c'est extrêmement important. En tout cas, les hommes d'aujourd'hui ont à s'autoriser à être à ce niveau-là. C'est grandement vital pour eux. Quoi qu'il en soit. Il y a un bel exemple pour moi, j'allais dire, moi je suis un sportif et j'ai pratiqué plusieurs sports dans ma jeunesse et quand je vois lors de matchs internationaux, notamment en rugby, que les hommes pleurent au moment des hymnes, ou qui sortent, par exemple, sur blessure, ou à la fin du match qu'ils ont gagné et ils en pleurent. Pour moi, c'est un très, très bel exemple de cette dimension-là. Elle est, j'allais dire, c'est comme si c'est passé dans notre société. Que à la fin d'un match, que d'autant plus si on est gagnant ou même si on est perdant, que les hommes pleurent. Mais cependant, c'est bien aussi de le voir que c'est quelque chose qui est totalement accepté dans notre société, que l'homme ose montrer cette vulnérabilité et non pas cette une faiblesse ou non pas qu'il est peureux ou que c'est une mauviette. Non. C'est le contraire, c'est beaucoup de courage même. Justement. Oui. Et, l'air de rien, quand même au nom du sport et de l'exploit où ils ont perdu, mais cependant ça reste un exploit sportif, c'est complètement rentré dans le quotidien. Diffusé à très grande échelle dans notre pays, que l'homme exprime son émotion à ce moment-là. Ça instille une permission pour l'homme dans son quotidien, l'homme là où il est dans son quotidien.
C'est important. Je me demandais, Patrick, si le premier amour que l'on sent tous, qui est donc l'amour de notre mère, quelles conséquences, c'est peut-être pas le mot adapté, hein, du coup, mais quelles conséquences il y en a restent sur l'envie de donner et de recevoir ce sentiment, cet état d'amour pour l'homme. Je dirais, ça c'est un point particulier et sensible pour nous les hommes. Parce que quoi qu'il en soit, nous les hommes, nous sommes bien élevés par les femmes. Et j'allais dire, dans ce qui s'inscrit dans l'évolution de la société, cette fameuse ou ce fameux sortir de cette ère du patriarcat. Wow. J'allais dire, c'est du lourd là. Hein. Et en même temps, j'allais dire, c'est de notre devoir, en tout cas moi, ma vision, c'est de mon devoir et de ma responsabilité d'amener cette conscience-là, qui a une autre conscience, qui a une autre vision, et que je peux me déployer autrement que tel que ça nous a été ou ça m'a été appris ou transmis. J'en parle notamment dans mon livre, là, de cette notion-là du lien à la mère. En même temps, c'est très subjectif parce que ce soit chaque homme et chaque femme, pour chaque homme et chaque femme, leurs mères ont été très spécifiques. Cependant, en lien avec ce système familial, et au cœur de ça, l'homme, ça lui demande à un moment donné d'être conscient des liens d'amour, et je parle bien des liens d'amour que j'ai avec ma mère, qui sont des liens d'amour, et des liens d'attachement, ou des liens d'injonction, ou des liens ou croyances, où là, à un moment donné, je vais devoir choisir. Est-ce que je reste, j'allais dire, je reste marié à ma mère et je continue à appliquer ce qu'elle m'a transmis ou ce que je crois que ce qu'elle m'a transmis, ou alors, ok, je garde bien les liens d'amour, et par contre, cette croyance ou cette phrase ou cette injonction, eh bien, je lui rends, et ça ne m'appartient pas, et moi, je choisis de vivre de la façon dont je choisis, quoi. Je dirais, c'est pas simple, en tout cas. Je vois là, vendredi, nous sommes lundi, vendredi dernier, là, j'animais mon cercle d'hommes. J'en anime un actuellement là, sur Toulouse, et on se voit une fois par mois. Et il y avait un homme qui partageait que en début d'année, cette année, il avait perdu sa mère biologique. Et moi, j'ai perdu mon père, où je sais que physiquement, je sais. Que j'ai ressenti à un moment donné quelque chose de très spécifique dans mon corps, physiquement, et je me suis dit, ah, c'est ça le deuil. Bon, je dirais, il y a des choses aussi, si on s'écoute, on sait que je sais que je le sais. Je dis je pour aussi tous ceux qui nous écoutent. Hein. Et
Ma mère est toujours vivante, donc je chemine, moi. En tout cas, je suis en train de cheminer, je chemine encore par rapport à mon père, même si ça fait maintenant 20 ans qu'il est mort. Pas plus tard que samedi, je suis allé à l'enterrement d'une de ses sœurs. Donc, il y a pas mal de choses qui ont été réactivées. Remonter à la surface. C'est un petit rire un peu. Et je sens bien vis-à-vis de ma mère et par rapport en plus à ce qui se passe dans les familles, et là, avec cette, j'oserais dire, pandémie et ces différentes visions. C'est pas du tout simple à gérer. Et moi, je sais que je dois vraiment, j'ai vraiment travaillé sur ces fameux liens d'amour, qui sont des liens d'amour, où je suis bien issu de cette mère-là, de cette femme-là. Et moi, j'allais dire, dans ma vision, c'est bien moi, au niveau de mon âme, qui ai choisi mes parents. Hein. Donc, à partir de là, c'est important que j'entretienne ces liens d'amour. Et après, je sais bien que j'ai le ménage à faire par rapport à son vécu. Et il y a des choses qui lui appartiennent et que je n'ai pas à porter, que je n'ai pas à faire mien et que j'ai pas, dont je n'ai pas à me charger. Ça veut dire que ce chemin est toujours actif, j'ai envie de dire. Le cheminement continue perpétuellement, de se défaire, d'aller regarder ce que des fois on n'a pas envie de regarder. Est-ce que ça veut dire de nettoyer les lignées, comme on dit énergétiquement aussi? Est-ce que c'est tout ça qui est à prendre en compte? Oui. En tout cas, en ce moment, dans les enseignements qui sont transmis, particulièrement en ce moment par rapport à ce qui se passe, il est bien demandé que c'est le moment d'aller nettoyer ce qu'on peut nettoyer au plus. Que les temps sont là qui permettent de nettoyer et d'amener la guérison et la purification dans les endroits qui ont besoin. Pour moi, la conscience au quotidien, de toute façon, moi, parfois, j'aimerais bien, je m'efforce parfois d'être conscient de ma conscience. Je fais des gestes comme ça, là. C'est parce que c'est j'allais dire, c'est à la fois passionné, et c'est passionnément vital, et c'est comme s'il y a, pour moi, un besoin de comprendre comment ça marche ou comment ça fonctionne. J'allais dire, à ce moment-là, ça ne concerne que moi, mais moi, je suis issu de ces parents-là et de ces lignées-là. Ça veut dire qu'il faut s'extraire de soi pour regarder ce qui s'est joué. En fait, d'être et l'acteur et d'être le metteur en scène, presque, pour. Presque, oui, parfois, en tout cas, oui, j'aime bien cette image-là de acteur et metteur en scène. Oui, c'est tout à fait ça. En tout cas, pour moi, quand je vais, par exemple, quand je fais une prise de conscience sur, par exemple, sur la victime, quand est-ce que je joue la victime ou quand est-ce que j'utilise d'être la victime pour me faire aimer, pour en tout cas dans une de nos blessures au quotidien. Mais le propos, c'est de ne pas être dupe de moi-même. C'est que je sois parfaitement conscient
dans les endroits même les plus insignifiants, où ça va, c'est peut-être juste un petit endroit, mais en fait là, je ne suis pas aligné, là je suis, j'utilise moi d'être dans la victime pour me fermer. Et le propos, c'est bien que j'en sois conscient. C'est pas que je dis pas que je suis plus dans la victime, ni dans le tyran, ni dans le sauveur. Pour moi, non. Au contraire, mon propos, c'est que je sois conscient quand je suis dans ce fameux triangle de Hartmann, victime, tyran, sauveur. Au moins que j'en sois conscient et que je l'agisse consciemment, dans le sens où ça va être plus, ça va être, j'allais dire, plus fluide, ou en tout cas, je vais être plus conscient quand je vais le jouer avec quel que soit l'autre. Puis c'est plus honnête, surtout. Et en tout cas, pour moi, je vais beaucoup plus vite recycler l'émotion qui est liée, ça c'est sûr. C'est vraiment un cheminement que l'on fait tous au final. On met ce terme de masculin sacré ou de féminin sacré, et peu importe le mot, peu importe le terme finalement, ce qui est demandé, semble-t-il, dans les temps actuels, et de toute façon, j'ai l'impression qu'on ne peut même pas aller contre, c'est d'aller voir effectivement chacun de nos espaces et d'être honnête avec ça, d'être authentique avec ça, et de ne pas se mentir, de plus jouer. Il n'est plus question de jouer quoi que ce soit, en fait. Oui. Que notre enfant intérieur, et de jouer par exemple comme un gamin, comme si j'étais, quand j'étais enfant, ça, oui, mille fois oui. Oui. Mille fois oui. Et cependant, que je sois pas dupe de moi-même, j'allais dire un gros mot. Allons-y. Quand je joue au con, ça, j'allais dire, les temps sont venus où, en tout cas dans mon cercle familial, amical et social, ce nouveau monde, il sait bien à ce niveau-là de se positionner à ce niveau-là. C'est tout sauf une voie de zénitude et de tranquillité, hein. C'est vraiment un vrai travail. Enfin, la tranquillité, elle se trouve, par moments elle se pose, mais c'est tout sauf une démarche futile. C'est de la pure profondeur, et ça, c'est important. C'est important. Oui, c'est de la profondeur, et en même temps, c'est pas une labeur. Non. Ça peut se faire d'une façon très, très ludique et très fluide et douce. En fait, ça ne peut pas se faire en se prenant la tête, parce que je vais à l'encontre de comment ça se fait. Si je me prends la tête avec ça, si je me dis on va travailler, non. Non, ça c'est il y a des moments où c'est sûr, prendre conscience je viens de, par exemple, m'engueuler très fort avec mon compagnon ou ma compagne, et de faire un retour de ce qui s'est passé, de l'élément déclencheur et de comment je réagis, ça c'est important de se poser là, de prendre le temps. Et après d'aller pacifier ce qui s'est passé, ça c'est vraiment important. Mais cependant, après dans mon quotidien, ça peut se faire d'une façon très fluide, douce. Il y a
Le monde numérique prend beaucoup de place dans notre monde actuellement. C'est comme si dans les réglages où il y a les applications qui sont en arrière, qui s'actualisent en arrière. Mais en fait, c'est ça on le fait déjà. Quand on a pris l'habitude d'être conscient, eh bien, on le fait comme un backup. On va être conscient. Et même, de toute façon, être conscient, c'est être tout entier là. Et je dois me familiariser ce que c'est être totalement là, avec cette conscience qui va me faire scanner mon corps, de comment je suis assis. Comment je regarde? Est-ce que j'ai un regard dans les yeux? Comment je respire? Comment je parle? En fait, ça se fait, j'allais dire, tout seul. Ça peut paraître pour certaines personnes d'où ils viennent ou de ce qu'ils ont de leur vécu. Ça peut paraître parfois, en tout cas pendant une période, un pensum, mais cependant, après, ça devient quelque chose de naturel et de fluide, naturel. Oui, c'est pas quelque chose de lourd ni de pénible, Non. mais par contre, c'est quand même un vrai engagement vis-à-vis de soi. Oui, c'est un vrai engagement, c'est sûr. Moi, je sais que je renouvelle régulièrement à voix haute, surtout dans les moments où. J'ai des émotions qui montent parce que je suis perdu ou que je ne sais pas comment faire ou comment ce que je dois répondre ou eh bien, à voix haute je m'adresse j'allais dire à l'univers aidez-moi et je choisis bien l'amour et la lumière. Pour moi c'est important et j'allais dire c'est c'est immuable. Oui, je le renouvelle régulièrement dans ma vie, au quotidien, c'est sûr. J'allais vous demander justement s'il y avait un conseil à donner. Je crois que celui-ci est magnifique en fait. C'est d'exprimer à voix haute son engagement vis-à-vis de soi et peut-être de le demander à plus grand que soi. Oui. En tout cas, suivant l'ouverture que j'ai, ça peut être tout à fait aidant. Par exemple, dans l'EFT, il y a vraiment y a des phrases. Même si je fais ça, je m'aime quand même. Il y a beaucoup de petites phrases comme ça là. Et de toute façon, on le sait dans les dernières nouvelles ou découvertes, il y a besoin pour que certaines choses s'inscrivent en nous. On a besoin de le répéter 7 fois, minimum 7 fois. Et quoi qu'il en soit, on sait bien que pour inscrire une nouvelle habitude, il faut le répéter pendant 21 jours, tous les jours, pour l'inscrire dans notre vie. Mais parfois, 21 jours, c'est juste le temps de mise en place, et puis au 22e jour, ça commence, en fait. Par exemple. Et c'est bien, c'est comme pour les sportifs ou les musiciens, il faut qu'ils s'entraînent, ou les chanteurs d'opéra ou de classique ou de variété, ils doivent s'entraîner tous les jours. Dire le travail sur soi ou de développement personnel ou thérapeutique ou énergétique, on se lave les mains ou on se brosse les dents tous les jours, et eh bien c'est pareil.
cette conscience de checker comment s'est passée ma journée, comment à tel endroit, comment j'ai réagi, comment j'aurais pu mieux répondre ou comment j'aurais pu mieux affiner, ou juste dire, ah ben tiens, là, j'ai super bien répondu, ben, c'est important de se féliciter. Voilà. Et alors, puisque nous sommes face à face, Patrick, s'il y avait une phrase que le masculin voudrait dire au féminin pour que les consciences des deux polarités entendent, ce serait quoi? Moi, si. Waouh! J'hésite parce que je me dis, tiens, est-ce que je fais comme si c'était moi, mon masculin, qui s'adresse à mon féminin? Pour moi, quoi qu'il en soit, que ce soit pour l'homme ou la femme, je parle bien des polarités physiques. C'est bien la polarité du masculin, et ça je parle autant pour l'homme et que pour la femme, qui fait que le féminin, pour l'homme et la femme, est en sécurité. C'est le masculin qui tient l'axe. S'il n'y a pas d'axe, le féminin, il n'est pas en sécurité, il ne peut pas tenir. Ça, c'est clair. À partir de là, moi, je suis un homme, donc dans ma polarité physique masculine, je peux que honorer et remercier mon féminin intérieur de sa présence, de sa sensibilité, et de son amour à la fois pour moi et aussi pour, j'allais dire, pour la terre, pour l'univers, pour l'autre. D'autant plus si j'ai cette vision que nous sommes tous en lien. Et je dirais, si mon féminin s'adresse à mon masculin, mon féminin va. C'est comme si elle le prenait très fort dans ses bras et juste qu'elle lui dit, comme je t'aime, toi, tel que tu es. Si on pousse loin la vision de la conscience et de la présence, le féminin pourrait totalement dire à son masculin, je t'aime tel que tu es, t'as rien à changer, tu es tout entier et tu es parfait tel que tu es. En fait, là où il y a le plus de guérison et de guérison, que ce soit dans mon stage homme ou dans les cercles d'hommes, c'est quand les hommes ils prennent conscience que en fait il n'y a pas à devenir un surhomme, ou il n'y a pas à changer. Si je suis tel que je suis à cet endroit-là, mon féminin, il m'aime plus que tout. Parce qu'il y a, il y a, il y a, à cet endroit-là, il y a bien de fusion intérieure. Quand un homme est puissamment vulnérable et vulnérablement puissant, en fait, il est au cœur de son union intérieure. Et au cœur de ça, il est à la fois aligné dans son axe, il est connecté d'abord terre et après ciel. Parce que de toute façon, je ne peux aller aussi haut que si d'abord je vais aussi bas.
moi, je suis un humain sur Terre, donc d'abord, je m'enracine, je m'incarne sur Terre, et après, je déploie je vais dire, mes antennes dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, mon féminin, il va embrasser. Je vais m'embrasser moi, et je vais embrasser l'autre, et je vais embrasser la Terre, et je vais embrasser l'univers. C'est magnifique, merci. Je suis profondément touchée, Patrick, par notre échange, par l'authenticité et la douceur qui est rayonnante et touchante. Merci, merci beaucoup. Je mettrai autour de la vidéo le lien vers votre site, vers aussi cette sublime interview que Lilou Massé a faite il y a quelque temps, parce qu'elle demande vraiment à être écoutée pour vous découvrir d'une autre manière. Oui. Et puis, on verra, on voit à l'écran votre livre « J'ose être l'homme que je suis ». Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment, Patrick, pour cette opportunité offerte à l'humanité. Et merci vraiment de tout cœur. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci infiniment à Patrick Ferrer de nous avoir livré cette si belle sensibilité. On l'aura compris, il est temps d'œuvrer ensemble. Merci pour vos regards et pour vos présences. À bientôt !